Le Burkina Faso a initié le processus de décentralisation en 1992 et depuis plusieurs cycles de réformes ont eu lieu, mais on constate aujourd'hui encore des défis qui sont aussi aggravés par la crise sécuritaire et humanitaire. Les autorités de transition, ils ont déclaré la décentralisation et la gouvernance locale comme une des priorités dans le PASD, et cela se recoupe aussi avec les objectifs de changement de la Suisse. Le programme décentralisation et participation citoyenne est une suite logique des appuis de la Suisse dans le domaine de la décentralisation. Plusieurs programmes se sont succédés depuis les années 92 jusqu'à 2015 où on a démarré la première phase du programme DEPAC. La vision de la Suisse est donc que les collectivités territoriales ont les capacités pour assurer aux populations de Burkina Faso l'accès à des infrastructures et services sociaux de base de manière inclusive et équitable. La troisième phase du DEPAC s'inscrit aussi dans la logique des programmes de la coopération suisse, qui, dans sa vision, implémente toujours des programmes de plus ou moins longue durée, notamment sur 12 ans, séquencés en des phases, et chaque programme a au moins 3 phases. Et là, nous sommes à la dernière phase des 3 ans du programme d'appui à la décentralisation et la participation citoyenne. La spécificité de cette phase, c'est que c'est une phase de sortie, et elle met beaucoup l'accent sur le transfert des innovations qui ont été déroulées durant les 2 premières phases à la partie nationale, aux acteurs du MATEDS, mais aussi à la DCT. C'est ce qui a nécessité d'ailleurs la création du programme SINAD, parce que c'est un processus de transfert, parce que la troisième phase donc du programme DEPAC qui intervient en 2026, et ça va donc permettre aux acteurs institutionnels, notamment donc le ministère en charge de la décentralisation à travers ce programme SINAD, à ce que les acquis qui ont été engagés donc dans la mise en œuvre du programme DEPAC puissent être transférés donc au système. À travers ce programme, la Suisse accompagne et soutient les institutions en charge de la décentralisation, le MATDS et ses directions. Nous contribuons et renforçons les capacités de la DCT d'appuyer les collectivités territoriales sur le plan financier et aussi technique. Au niveau de la Direction générale des collectivités territoriales, particulièrement, mais au-delà, le programme budgétaire de décentralisation qui regroupe un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de structures que sont l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, le secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation, mais aussi la Direction générale des études et des statistiques sectorielles qui est transversale, qui ne relève pas donc du programme budgétaire, mais qui vient en accompagnement à tout ce que nous menons comme activité. Nous pouvons affirmer que nous sommes prêts à prendre la relève.